Ça donne quoi ? Rien, il n'y a aucun signe de la barrière mystique dont tu parles. Ah, tu la reconnaîtras, t'inquiète. Comment tu te sens ? Pour la première fois depuis longtemps, je me sens apte. Je me suis retrouvé plongé dans des abysses remplis de dieux et de monstres. Mais, comme je connais mon avenir, j'ai l'impression de pouvoir respirer enfin. Ces choses terribles qui me sont arrivées, enfin, qui peuvent m'arriver, comme l'a dit Raiden, ce sera différent. C'est pas une bonne nouvelle ? Tout ce que mon père a traversé, ces choses qui l'ont traumatisé, c'est pour ça que mes parents se connaissent. Ils sont tombés amoureux pendant sa convalescence. Si ça ne se produit pas, tu rencontres pas maman. Je pourrais ne pas naître. Jackie, je vais pas faire comme si je pigeais tout ce bazar cosmique. Mais je sais que si t'es là, c'est pas pour rien. T'es pas un truc venu de nulle part. Ouais, j'espère. L'île de Shang Tsung. C'est reparti pour un tour. Au moment du tournoi, il y avait des gens partout. Ces types avaient l'air vachement plus jeunes. C'est comme si c'était hier. Je suppose que quand Shang Tsung est mort, cet endroit aussi, il n'y a personne. Bonjour la furtivité, on aurait pu venir en groupe. J'espère presque que Raiden se soit trompé pour le puits. Je veux pas rester ici plus longtemps. Contact multiple. Combien ? Deux. Mais il y en a un qui tourne drôlement vite. Chronica savait que Raiden enverrait du monde ici. Laisse-moi 10 secondes avec ce type. Jax Briggs, on a fait équipe sous le commandement de Quan Chi. Tu reviendras à moi. Tu te trompes de Jax. J'ai jamais été revenant. Et je le serai jamais. Fight. Yeah!
C'est fini pour toi. Les temps changent, Cabal. Laissez tranquille le puits des âmes. Tu n'es pas aussi fort que tu le crois, Jax. Dans mes souvenirs, Sinel n'a fait qu'une bouchée de toi. Je prends la copine de Kitana. Toi mérite le respect. Mais cette version-là, ça m'étonnerait. Épargne-moi ta pitié, Terrienne. Fight. J'éprouve que de la pitié pour toi. On a assez fait, Mumuse. Raiden dit que le puits des âmes est dans les sous-sols. Par là.
C'est l'antre de Goro? Mais sans Goro, heureusement. Shang Tsung m'a emprisonné là-dedans pour mon premier tournoi. J'aurais jamais cru revenir. Tu sais où on peut trouver un puits des âmes? Aucune idée. J'étais pas en forme. C'est tout flou dans ma tête. C'est ça, je suppose. Cette couronne, je te parie que c'est Acronica. Elle draine les âmes qui sont en puits. C'est forcément protégé. On la chope et on se tire avant que son gardien ne revienne. Je ne suis jamais parti. Sub-Zero. Scorpion lui a arraché les vertèbres. Il les a jetés là-haut, dans la vieille salle du trône de Shang Tsung. Un événement que le Nouvel Âge effacera définitivement. Attends, Jackie. Je m'en occupe. Bras, mais ne t'a pas achevé. Exactement. Faut dire que je suis balèze. Fight! N'était pas le seul faible, en fin de compte. Allez, on prend ce truc et on met les voiles. Te laisse deviner. Papa, tes bras! Ça ressemble au style de Chronica. Qu'est-ce que tu fais?
je te donne la vie que tu mérites. En détruisant l'univers ? Pas en le détruisant, en le redémarrant. Quand j'étais revenant, j'ai perdu tant d'années. J'ai fait des choses. Ta mère m'a empêché de sombrer. Mais j'étais pas un père à la hauteur. Tu dis n'importe quoi, mon gars. T'as élevé une fille super. Un soldat de premier ordre. Elle n'aurait jamais dû être soldat. J'ai jamais voulu que tu prennes des risques sur le champ de bataille. Si je ne m'étais pas effondré, tu n'aurais jamais cherché à t'enrôler. Je fais pas ça pour cette raison, papa. S'il te plaît, donne-moi cette couronne. Je ne veux de mal à personne. Sérieusement, ça devient malsain. Attends, petite. Moi, j'aurais pas envie de combattre mon père. Tu penses pas que je dois régler ça avec mon moi du futur ? J'aurais jamais cru tomber si bas. T'as pas idée de tout ce qui t'attend ? Perdre tes bras, c'est qu'une première étape. Je sais que t'as souffert. C'est pas fini. Mais on trahit pas son unité. Et on trahit encore moins sa famille. Fight. C'est toi, il vient de battre. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. K.O., mais il s'en remettra. Ça va, toi ? Je plane. Pareil. On peut pas le laisser. On récupère la couronne et on l'embarque. Si je remets jamais les pieds ici, bah ça me manquera pas. Ça, tu l'as dit. Mortel ! Restituez-nous la couronne de Chronica et le vieux Jackson Briggs. Aucun mal ne vous sera fait. Sûrement pas. On sait que tu as trahi les dieux anciens, Cetrion. Chronica doit rétablir l'équilibre que Raiden a anéanti. Vous ne voyez donc pas le mal immense qu'il a provoqué ? Au moins, lui, c'est un mal qu'on connaît. On peut battre une déesse ancienne ? Cassie a vaincu Shinnok. Seulement parce que les Cage naissent avec des pouvoirs magiques de taré. On est peut-être magiques, nous aussi. Abandonnez, je vous en prie. Résister ne vous vaudra que de la souffrance. Je peux pas te laisser faire. Essaie pas de négocier. Ton esprit est trop faible pour manier l'arme de Chronica. Pour ta sécurité, retire-la. Je ne cherche pas la sécurité. Toi, tu vas prendre cher. Fight. Yeah.
Cassie Cage, tu vas être verte. Je vous avais prévenu, de simples mortels ne peuvent pas contrôler la couronne. Je ne voulais pas vous faire de mal, mais puisque vous me forcez la main... Qu'est-ce que tu fous ? Donnez-moi la couronne, et je l'épargnerai. Non ! Non ! Ne la lui donne pas ! Va-t'en ! Sa vie est entre tes mains. Personne ne veut faire du mal à qui que ce soit. Je t'en prie. Fais-le pour le bien de la petite. Fais chier. Rendez-nous Jackie maintenant. Papa, comment t'as pu me faire ça? Je ne l'ai pas fait contre toi, Jackie. Je l'ai fait pour toi. Je t'aime. Chronica attend notre retour. Allez, c'est pas encore joué. Voici la clé de notre délivrance. Merci. À vous deux. Tu as l'air tracassé, Jackson Briggs. Je n'ai pas l'habitude de voir autant de visages amicaux. Nous sommes des alliés inattendus, réunis par une cause commune. Rassure-toi. Liu Kang, Kitana, les armées sont-elles prêtes? Elles sont en route. Kitana et moi veillerons à ce qu'elles n'aient pas de retard. Excellent. Une avalanche d'âmes, du temps à foison. Mes forces se décuplent. Le nouvel âge n'a jamais été si proche. Le rapport de Jacqueline Briggs. Les actions de son père ont gravement compromis notre situation. Je sais, j'arrive... J'arrive pas à y croire. Même si on localise son fort, Chronica détient maintenant une puissance supérieure à nos forces combinées. Il faut vraiment faire une croix sur l'amulette de Shinnok. En effet, Cassandra Cage. J'ai vu ce que tu pouvais faire avec. Tu as repoussé l'armée du royaume du Nether. Tu n'étais même pas au maximum. Je n'ose pas me confronter aux tentations de sa magie noire. Pourtant, je la sens qui m'appelle. Chronica a beau avoir l'avantage, il faudra frapper dès que nous connaîtrons l'emplacement du fort. Ça fait des heures qu'on est sans nouvelles des grands maîtres. Que fait-on s'ils ne reviennent pas? Ils le doivent, ou nous n'aurons plus d'espoir.